Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Monroc TV. Tout de suite, le sommaire de cette édition. Ils ont passé une nuit en camping. Voici le récit de leurs aventures, raconté par Noé. Hier soir, certains sont partis au camping Pierre Sémar pour vivre une aventure inédite. Certains se croyaient à Koh-Lanta avec le montage des tentes et la survie dans une température assez basse. Cette expérience commence par le montage des toiles de tente qui a été assez laborieux. Merci les animatrices de votre aide. Alors, facile à monter ? Ça va ! Ça va ? J'ai jamais monté de tente ! Non mais tu rentreras pas dedans, t'es trop grande. Hein. Sardine, piquet ! Tente ! Ça c'est chiant là, c'est notre tente. Comme ça, là. Les tentes quechua sont bien meilleures. Pourquoi c'est pas des 2 secondes? En bas, c'est une canne à pêche que t'es en train de monter. C'est ça. Une utilisation des montants de tente, c'était un peu particulière. Putain, j'y arrive pas, moi. Prends le truc. Il va faire une photo. De quoi? Il va faire une photo, vas-y, prends-le. On est marre. Nous avons ensuite procédé à la préparation du barbecue. Merci Sam Sam d'être venu. Tu peux m'aider Alain à bouger le barbecue? J'ai vu ton père. Regardez Alain. Premier réveil vers 8h pour certains. Elle est une sympathique flûtiste, mais surtout l'une de nos animatrices. Le portrait de Valentine par Vanessa et Prisca. Bonjour. Salut. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Rapidement. D'accord. Alors, je m'appelle Valentine, j'ai 18 ans. Voilà. Je suis une animatrice. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'animatrice? Tout d'abord, les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Le fait aussi de jouer avec eux, de leur faire découvrir des choses, de les rendre heureux le temps d'un séjour de vacances. Et ce que j'adore le plus, c'est prendre des rôles, des personnages. J'aime bien tout ça. Que fais-tu en dehors de la colo? Alors, en dehors de la colo, je suis une étudiante. Cette année, j'ai fait ma première année de licence en sciences du langage, que j'ai validée. Et je continue. Voilà. Après tes études, tu voudrais faire quoi? Alors, après mes études, j'aimerais bien faire professeur des écoles, donc maternelle primaire. Ou pourquoi pas tenter de faire professeur de français dans un pays étranger. Est-ce que tu fais un loisir, une activité ou un sport? Alors oui, j'en fais même deux. Donc, bon, comme vous en doutez, du coup, je fais de la musique depuis 11 ans, de la flûte traversière. Et je fais aussi du cirque. Donc tout ce qui est jonglage, aérien, équilibre, tout ça. Et la corde de lys. Ça, c'est mon... Surtout ça, c'est le... vraiment mon élément fétiche, celui que je préfère dans l'aérien. Quel est ton film préféré? Alors j'ai 3 films préférés. Donc un film, non, c'est plus une saga en fait. Donc il y a la saga Harry Potter. Il y a le film Insaisissable, qui est avec des magiciens, c'est ça que j'aime beaucoup. Et The Greatest Showman. Bon, on se demandera pas pourquoi. C'est parce que ça parle de cirque. Donc du coup j'ai beaucoup aimé. Quelle est ta musique préférée? Alors j'en ai pas vraiment, mais vu qu'on est en été, le soleil, tout ça, je dirais que là qu'en ce moment j'aime beaucoup écouter Despacito, même si elle est sortie l'année dernière, j'aime beaucoup. Et puisqu'on est curieuse, tu peux rejouer pour la fin de cette interview? Si tu veux. Alors, ça va être Harry Potter encore, hein. Ça ne vous gêne pas? Ok. Thank you.
premier tour de Manival pour la suite attendue de Jurassic Park. Pour vous et en exclusivité, la bande-annonce par Ilian, Enzo et Adonis. Nous avons ce qu'il vous faut. Les croquettes Human Croc 100% bio, fabriquées avec de l'humain élevé en plein air, respectant la norme ECRMT ou bien ECMTRNSTGLMNT. Achetez-les maintenant pour la modique somme de 34,62€ au lieu de 69,24€ grâce au code promotion qui s'affiche sur votre écran et qui vous permettra, en tapant sur votre site, de bénéficier d'une réduction de moins 50%. C'est votre T-Rex qui vous remerciera. Nous terminerons cette édition par un autre portrait, celui d'Alice. Peux-tu bien te présenter ? Je m'appelle Alice, je suis en troisième année de communication et j'ai 20 ans. Qu'est-ce que tu fais en dehors de la colo ? Bah, je suis encore étudiante, comme tu l'as dit, je suis en troisième année de communication à Paris. C'est quoi ta passion ? La danse. Je fais de la danse depuis 17 ans et du hip-hop vraiment depuis 4 ans. Quelle est ta musique préférée ? Bah, j'ai pas spécialement de musique préférée, mais je suis une grande fan de Justin Bieber, je l'aime beaucoup. Quel est ton film préféré ? Moi, dans les films préférés, j'adore plutôt les comédies musicales. Et pour l'instant, je t'avoue, les trucs genre Grease, High School Musical, tous les trucs comme ça, c'est ce que je préfère. Quel est ton rêve dans la vie ? Ce serait de faire un voyage en Laponie, mon plus grand rêve, pour aller voir les ours et tout. J'aimerais trop. Merci Alice, hein, vraiment merci de nous avoir dit tout. Donc voilà. De rien, bam boum ce soir. Hein. Oui. Voilà, cette édition est terminée. Je vous donne rendez-vous demain pour suivre avec nous la transhumance.